suis avec Alessandro. Bonjour à tous. Alors, comment vas-tu, Aless? Très bien, très bien. Et aussi, n'oublions pas, Eric. Bonjour tout le monde, comment ça va? On est parti sous Paris. Est-ce qu'on reviendra? Ben voilà, des anciennes carrières transformées en catacombes, c'est-à-dire on a mis les morts là-dessous. Ça va être chaud. C'était des carrières qui existent depuis le Moyen-Âge, avec ça qu'on a construit Notre-Dame, les principaux monuments de Paris. C'est de la roche en dessous de Paris, c'est du calcaire. Et toutes ces carrières ont fini par servir au 19e siècle. On a vidé les anciens cimetières pour y entreposer les ossements. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça des catacombes, mais c'était pas ça au départ. Hein. Du tout d'ailleurs, ça fait plusieurs heures qu'on est là, c'est pas mal. Une heure qu'on est là, un peu plus, hein. Une heure, je sais pas, plus ou moins, bah ouais, ça passe vite, hein. Voilà, je sais pas combien de temps on est là, c'est chaud quoi, c'est pas évident. Maintenant, c'est la petite pause déjeuner pour manger. Tranquille quoi. Je vais manger une petite boîte de temps.
bien lugubre. Il faut beaucoup marcher, c'est pas évident. Mais bon, ça vaut la peine. Sincèrement, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Allez, je vous laisse découvrir. Salut les amis, ben voilà. Il est 1h du matin, donc ça fait quand même quelques heures que nous sommes qu'on est ici dans les catacombes. Là, je sens que j'atteins mes limites. J'avoue que moi aussi. Mes forces me quittent. Ouais. Je récupère un peu. Mais... Allez, Sandro est là-bas au bout. Voilà, un petit message. Aussi, je suis très fatigué, j'imagine. Ça fait perpète, hein. Ça fait perpète. Et il faut le faire avec un guide, hein. Faut pas le faire à l'aveugle. Faire seul, jamais, jamais. Là, c'est l'ambiance des catacombes, les Parisiens. Ouais. Je vais vous montrer comme ça, sans montrer trop non plus. Mais c'est la fête. Ici, hein, voilà. Et c'est... Désolé pour la lumière en pleine figure. Donc voilà, c'est comme ça, l'esprit de catacombe. Voilà, vous avez la chance de vous immerser un petit peu avec nous. Ça va être chaud. Ah, ce serait pas mal, c'est 10h qu'on est là, bientôt 11h. Ouais. C'est beau quoi, c'est beau. C'est pas mal. Bon, allez, on y va. À bientôt. Ciao les amis, à tout à l'heure. Your spirit high.
La fin est finie. Nous sommes de retour en Belgique. C'était comment l'expérience dans les catacombes? Incroyable. Plein de surprises, de découvertes. C'était dur quand même. C'était très dur. C'est vraiment à l'extrême de l'extrême. À l'extrême de l'extrême, vraiment. Il faut être un minimum entraîné sportivement. C'est chaud quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vais poser la même question à Ericos. Oui, plutôt cassé, oui. Là, franchement, j'ai atteint mes limites, là. Il peut bien aller plus loin, mais là, c'était stop, quoi, à un moment donné, là. Les gens qui font la fête, là, dans une salle, ça, c'est génial, ça. Salut tout le monde. Eh bien, voilà, c'est la fin de l'épisode des catacombes. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous n'avez pas eu trop eu peur avec le passage des eaux, le trône des morts, etc. Le golem, la plage, la salle de cinéma. En tout cas, les catacombes, c'est quelque chose de magique. C'est vraiment un autre monde sous terre. C'est vraiment ça. C'est génial. Par contre, n'y allez jamais tout seul. Dans la vidéo, évidemment, moi et Eric, on vous explique qu'il ne faut pas y aller tout seul. Après 10 heures de marche, on était un peu cassés. Je ne vous dis pas après 18 heures comment nous étions dans la voiture. C'était vraiment pathétique, sincèrement. Mais bon, comme ça, vous avez vu notre tête. Pour revenir, n'allez pas tout seul dans les catacombes. En moins de 3 minutes, vous pouvez vous perdre. Donc, n'y allez pas, n'y pensez pas. Le plus facile pour vous, sincèrement, c'est de regarder les vidéos sur Facebook, sur Internet, éventuellement, si vous en trouvez. Car les cataphiles ne veulent pas filmer les catacombes. C'est pour eux quelque chose de très important. Et pour nous aussi, parce qu'on a passé des heures dedans et on comprend la valeur des catacombes. C'est vraiment un endroit magique. Voilà. Peut-être que nous allons refaire un deuxième volet.
à voir. On en discute en interne, mais c'est peut-être possible. Voilà, merci en tout cas de nous suivre. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à vos amis, etc. Débattez des catacombes, c'est un sujet intéressant, donc que je vous laisse le plaisir de faire. Donc, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et surtout, portez-vous bien. Salut !